L'opéra Kungshu est l'une des plus anciennes formes d'opéra qui existent encore en Chine, puisque ses débuts datent de la dynastie Ming entre le XIVe et le XVIIe siècle. Il s'est distingué par la virtuosité de ses schémas rythmiques appelés Shangqiang et a exercé une influence prépondérante sur toutes les formes d'opéra plus récentes en Chine, telles que l'opéra de Sichuan ou celui de Pékin. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les auteurs parmi les plus talentueux de l'histoire mondiale de la littérature écrivirent les chefs-d'œuvre de cet opéra. Seulement 7 de ces pièces survécurent. Sa mélodie caractéristique, appelée Kungkyang, et sa structure dramatique, alimentée par une distribution des rôles spécifiques, un jeune premier, un rôle féminin principal, des rôles comiques et un rôle de vieillard, ont également été empruntés par les autres formes d'opéra. Ainsi, le pavillon aux pivoines ou le hall de longévité sont devenus des pièces classiques du répertoire. Le Kungshu est accompagné par des instruments à cordes, avant et à percussion. Le Kungshu combine le chant, la récitation, la gestuelle et la danse et joue un rôle fondamental dans la formation des acteurs et chanteurs de l'opéra de Pékin. Il y a deux grands types de mouvements de danse et une infinité de mouvements servant à exprimer des émotions précises.